Bonjour à tous. Alors, on va s'attaquer aujourd'hui à un problème de géométrie combinatoire. Donc, voici l'énoncé. On a un triangle équilatéral et chaque côté, il a été coloré en deux couleurs, rouge et bleu. Alors, la question, c'est est-ce que sur ces côtés du triangle, on peut trouver trois points qui soient de même couleur et qui forment un triangle rectangle? Voilà, par exemple, trois points qui forment un triangle rectangle. Alors, ici, ils ne sont pas de la bonne couleur. Mais est-ce que ce serait possible d'en trouver un, et ce, quel que soit le coloriage? Donc, je vais vous laisser mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, bravo à vous si vous avez réussi l'exercice qui était vraiment pas évident à première vue. Et je vais présenter une solution. Alors, en fait, j'ai montré qu'il est toujours possible de trouver un triangle rectangle monochrome. Et pour ça, je vais raisonner par l'absurde. Donc, je vais supposer qu'il n'en existe pas et je vais obtenir une contradiction. Alors, l'idée, le départ, c'était de considérer l'hexagone régulier inscrit dans le triangle. Donc, vous coupez chaque côté en trois parties égales. Et donc, ici, on a un triangle équilatéral, donc ce côté-ci, c'est la même longueur que ce côté-ci, qui a la même profondeur que ce côté-ci. Donc ici, on a un hexagone régulier. Alors, ce qui est bien, c'est que ben, comme c'est un hexagone régulier, on dispose d'un cercle, on dispose de sommets donc, qui forment des diagonales, et donc on va avoir plein de triangles rectangles ici. Donc là, on va juste commencer par s'intéresser au sommet de cet hexagone pour voir ce qu'on peut dire. Alors, première affirmation, parmi ces six sommets, il ne peut pas y en avoir quatre d'une même couleur. Alors, pourquoi? Ben, par exemple, imaginons qu'on ait quatre sommets rouges, on pourra toujours en trouver, par principe des tiroirs, deux qui sont sur le même diamètre. Et si deux sont sur le même diamètre, ben, alors, avec un troisième de la même couleur, ben, on va obtenir un triangle rectangle et donc une contradiction. Donc, conclusion, parmi ces six sommets, on va forcément en avoir trois sommets rouges. Trois sommets bleus et de plus, il ne peut pas y en avoir deux de même couleur sur un même diamètre. Donc, en particulier, si je commence à essayer de placer mes sommets rouges, on va forcément pouvoir en trouver deux qui sont à distance de 2. Ils ne peuvent pas être tous à distance de 1 les uns les autres. Ils ne peuvent pas non plus être une distance de 3. Donc, on va en trouver deux à une distance de 2 de cette manière-ci. Alors, ici, si je prends ce nouveau sommet, quelle est sa couleur? Ben, il est diamétralement opposé, donc il est forcément bleu. Même chose pour celui-ci, donc ici on a deux sommets bleus. Sauf que remarque, ben, ici on a toujours un angle droit, ici on a toujours un angle droit. Donc maintenant on revient à notre triangle. Si on regarde cette droite-ci, ben, un point ici ne pourra pas être bleu, parce que s'il était bleu, il formerait un triangle rectangle avec ses deux sommets. Et il ne peut pas être rouge parce que sinon il formerait un triangle rectangle avec ses deux autres sommets. Donc en fin de compte, il ne peut être ni rouge ni bleu. Ma contradiction, c'est absurde. Et ça termine l'exercice. Bien voilà, j'espère qu'il vous a plu et à très bientôt.